tout à fait normal, DPP est un pouvoir constitutionnel d'une structure criminelle procédée. Ce n'est pas nécessaire parce que la police pour faire ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est là devant la Cour suprême actuellement, qu'est-ce qui peut faire l'actualité, que ce soit Pérez-Bandicessor, Pérez-Lorette et que les autres connectés matters. Le commissaire de police peut dire qu'il lit un pouvoir simplement en ce qui concerne bonne source provisoire et qui quand il demande avocat DPP à pire c'est avocat DPP instructed by commissioner of police et c'est lui qui le client et lui qui le donne. Il peut faire fausse route parce que DPP pour nous sous bon pouvoir constitutionnel lui tout seul lui être habilité pour l'ose and case devant n'importe qui la cour de la République.